Salut les gars, soyez les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Emeric. On est encore avec Emeric pour faire la deuxième partie de la vidéo. Donc là il va décharger un chargement qu'on a récupéré tout à l'heure. Moi je peux pas rentrer dans la carrière. Moi je vais rentrer quand même un petit peu. Donc là je vous fais montrer. Ça, c'est lui là. Voilà, il fait son demi-tour. Ensuite, je sais pas exactement où est-ce qu'il va décharger. Donc, j'espère que la première partie vous aura plu. Et pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra avec plaisir. Donc voilà, là, il fait sa manœuvre en marche arrière. Après, je pense qu'on fera un tour avec lui. On va retourner à la gravière pour un chargement, je pense. Voilà, on est sur le retour là. Tu viens de vider ton chargement tranquille. Ouais, c'est ça. Ah, c'est assez rapide en fait, Quentin. Hein. C'est ça, ouais. Par contre, il faut bien juste claquer la porte et puis il faut faire gaffe. Moi, je roule ben levé, mais en vrai, il faut surtout pas le faire. Faut surtout pas le faire, mais là. Ah, mais après, tu sais, tu connais quand même ouais. Les lieux, tu sais qu'il n'y a, voilà. A pas d'obstacle en route. Je sais qu'il n'y a pas de trou, je sais qu'il n'y a pas de risque de renversement, mais ouais. Aussi, je sais le faire. Ouais. Voilà. Après, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, tu vois. Ouais. Parce que là, une benne comme ça, ça se retourne assez facilement. Surtout quand elle est en l'air comme ça. Là. Ouais. Ouais, t'as, voilà. Si tu prends un petit peu trop de vitesse dans un virage, c'est ça, sur le côté, quoi. Faut rouler super cool. Et puis là, j'ai commencé à rouler, mais t'as vu, la benne est en train de descendre. Ouais, ouais. Donc, dès que les deux premiers vérins sont en bas, il y a beaucoup moins de risques de renversement quand même. Bah, sinon, il est vite en. Il se retrouve vite en PLS ton ensemble. Ben ouais, et puis c'est pas le but, tu vois. C'est pas le but. Ben, ils m'ont déjà dit de pas sortir ben levé, mais ils veulent que ce soit fait comme ça pour que ce soit plus rapide. Ouais. Parce que le mec, je sais pas si t'as fait gaffe, il y a une espèce de grue avec une drag line, ils appellent ça, dragline. C'est quoi? C'est comme une grosse pelle qui vient ramasser dans les box. Le matériel. Bah, d'où drag line, il vient draguer. Voilà, il vient draguer. Une ligne de dragage. Tu peux appeler ça un scrap aussi, tu vois. Parce ouais. Que ça scrap pareil. Un scrap, c'est la même chose. C'est ouais. pour ramasser du matériel. Et pour l'envoyer directement dans la trémie pour fabriquer le béton. Et donc voilà. Et c'est automatisé ça, non? Ça, c'est automatisé, ouais. Mais quand la drag line, elle est en train de tirer dans le tas, elle est en train de chercher le matériel. Ouais. Si moi je rentre, le câble en acier, il se déroule complètement. Donc moi, il faut toujours que j'attende que la drague elle soit en haut. Ok. Et alors je peux rentrer. Tu vois, là maintenant, elle était en haut, elle était positionnée en position haute. Ouais. Là, il n'y a aucun souci, je peux rentrer. Tu vois, si maintenant elle avait été en train de scraper, donc en train de travailler, ouais. Il aurait fallu que j'attende un petit peu. Il faut juste que j'attende qu'elle soit levée, tu vois. Ouais. Parce qu'il l'a fait descendre, mm-hmm. Il tire le matériel jusqu'en haut, et après, ça repart vers l'avant et ça redescend. Et quand ça repart vers l'avant, et qu'elle est sur le point de redescendre, bah, t'as quand même 8-10 secondes, tu vois. Et ben toi, tu peux y aller, tu vois.
tu peux rentrer. Tu as des capteurs qui font que quand tu es dedans, ça se bloque. Voilà, ça se bloque. La dernière fois, il l'a rallumé pendant que j'étais en train de décharger, il m'a attrapé la benne, tu vois. Il m'a attrapé la benne et il m'aurait emmené, tu vois. Ah, donc c'est chaud, quoi. Il a déjà arraché des portes, hein. Sérieux? Ah ouais, ouais, il m'a dit, hein, il a déjà arraché des portes de benne. Bon, moi ça va, il m'a fait quelques petites billes, tu vois, mais rien de fou, tu vois. Il m'a fait 2-3 petites égratignures. Ouais. Après, c'est de la benne en alu, tu vois, donc ça prend vite les rayures, tu vois. Mais c'était une vieille benne, donc ça allait. Il n'y avait rien de cassé en tout cas. Mais il m'a dit que sur certains camions, il les a déjà attrapés, il a arraché des portes complètement, tu vois. Donc après, forcément, ta benne, elle est morte, tu vois. C'est clair, ouais. Et là, depuis ce matin, là, tu fais exactement le même tour? Ouais, c'est toujours le même tour. Ouais. Ouais, c'est un peu répétitif. Hein. Mais bon, après, quand tu connais la route, voilà, là. Là, on fait ça bien, tu vois. On fait ça proprement. Mais sinon, après, les ronds-points, je les passe un peu plus vite et tout. Tu vois, je te dis comme c'est, tu vois, quand tu vois que ça roule bien, les ronds-points, si tu maîtrises un peu ton engin, tu peux passer un petit peu plus vite. Je vais pas te dire que je les passe à 50 les ronds-points, tu vois. Ouais. Mais tu peux les passer un tout petit peu plus vite que ce que tu fais d'habitude. Ouais. Donc, à ne pas reproduire. Non, non. Pareil en sortie de rond-point. Tu peux aussi. Voilà, t'appuies, tu vois. T'appuies, tu files. Les voitures là, quand je sors ici à ce rond-point-là, les voitures elles n'arrivent pas à me doubler. Il y en a déjà qui ont essayé, tu vois, ils n'arrivent pas, tu vois, et je leur mets une feuille. Sur 500 mètres là, ils peuvent rien faire, tu vois. Après, s'ils tirent les rapports, ouais, ils y arrivent. Mais sinon, en sortie de rond-point, je les enfile. La coupe d'Axon. Ouais, t'as entendu, un peu fatigué, mais ça fonctionne. Il est bouché par les mouchons. Ah putain. Ouais, il est bouché et il y a une électrovanne aussi à refaire, tu vois. Il n'y en a qu'un des deux qui fonctionne. Tu vois, là maintenant, par exemple, celui-là, là, je le passe en général à 30. Et là, sorti de rond-point, là, tu casses, tu vois. Et en plus, là, t'es vite, là, c'est cool. Là, je te dis, en général, les voitures, je les enfume. Ça ne veut pas me doubler, tu vois. Parce qu'ils essayent. Alors que là, c'est pas, t'as pas le droit de doubler ici, hein. C'est des flèches de rabattement. Ouais. Bon, donc, t'es obligé de te rabattre. Il y a 3 flèches de rabattement. Ouais. Donc, t'es obligé de te rabattre. Les gens, ils essayent de te doubler. Tu vois? Alors qu'ils n'ont pas le droit. Ouais. Et bon, qu'est-ce que tu veux faire? Après, quand c'est des voitures un peu grosses, tu fais pas le malin, tu vois? Mais tu vois, moi, ce qui me gêne là, devant ils roulent pas. C'est que ces putains de Renault. Enfin, pardon sur les Renault. Je sais qu'il y a des fans de Renault. Ils sont bons, mais. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est ça là-haut, là, tu vois. Ça? Non, non, à côté de l'autoradio. Quoi? Le jack et l'USB. Bah, le jack et l'USB, c'est tout en rapport avec le poste. Ouais, mais je comprends pas qu'ils s'en foutent là-haut. Bah, le jack, parce qu'il faut se dire que les Bluetooth des Renault, c'est de la merde. Vraiment. Bon, après, je critique pas les Renault parce que il y a du bon, il y a du mauvais. Mais alors, le Bluetooth du camion, putain, c'est. Après, je suis un peu vulgaire, mais faut dire ce qui est. Tu sais, quand t'es routier, t'as besoin d'appeler tes potes. C'est bien de pouvoir discuter. Tu vois. Le téléphone, c'est important. Voilà, c'est important. Mais surtout de pas le tenir dans la main. Tu vois. Main libre, ouais. Mais alors, le Bluetooth là, il est pourri, hein, mais pourri. Hein. Je le branche même plus, du coup, tu vois. Donc, si tu veux voir vraiment à quoi ça ressemble une cabine de Renault Truck. Je t'invite à regarder une de mes vidéos qui s'intitule « Ce que je pense du Renault Truck ». T480, il me semble, un truc dans le genre. Je t'invite à aller checker ça et tu verras de quoi on parle. Tu comprendras très vite. Voilà. Après, la couchette, tout ça, c'est bien. Hein. Franchement, il y a de la place. Hein. C'est grand confort. Hein. Frigo, c'est pareil, c'est pas mal. Bon, tu mets pas de bouteilles debout dedans comme dans le DAF, tu vois. Mais tu peux coucher les bouteilles dedans et puis c'est sympa, tu vois.
Voilà. Après, la douche était énorme. Le Webasto, le chauffage de nuit, ça marche super bien, c'est efficace. Il a la clim de nuit, celui-là? Non, il a pas de clim de nuit. Là, regarde, il y a une trappe au-dessus, il y a le toit ouvrant. ça sera ça, la clim de nuit. Ah, putain. Mais par contre, sur un autre nœud, il a lié la clim de nuit. Après, quand tu fais du régional, t'en as pas besoin. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une option inutile. Déjà qu'il y a une clim normale dedans, ouais. C'est déjà bien, tu vois, parce que quand il fait 31 degrés comme aujourd'hui, ça fait du bien d'avoir une clim. Ouais, c'est clair. Parce que sinon, je te dis pas, t'as la rémouillée, quoi. Bon, après. Bon, après, les gars, vous savez ce que je pense de la clim, moi. Ouais, toi, t'aimes pas ça. Pas toi. La peine de, que je le répète encore et encore et encore, mais bon. Après oui, hein, c'est pas mon camion, ouais, bon. Le chauffeur a le droit de... C'est lui qui roule, hein. C'est non, pas moi qui roule. Je vais te dire un truc, quand tu roules avec un DAF et que les rétros sont arrondis vers le chauffeur et que tu bouffes tous les moustiques qui tapent le rétro, crois-moi-le qu'au bout d'une journée tu la mets la clim. Parce que là le Renault, tu vois, il fait des angles droits plus ou moins les rétros. Mais sur le DAF, les rétros ils sont arrondis. Et dès qu'une bestiole vient taper dedans, eh ben, il faut que ce soit. Déjà, la dernière fois, je m'en suis tapé une grosse, je me la suis pris presque dans la bouche, tu vois. Alors, ça t'aura fait ton repas du jour. Voilà. Mais alors après, tu la mets la clim, tu vois, parce que laisser la fenêtre ouverte toute la journée. Ouais. Mec, tu crois que j'ai envie d'être sourd à 60 ans ou quoi? Ouais, c'est clair. Le mieux, c'est pas de rétro du tout et tu mets des caméras à l'intérieur. Tu gagnes 15% d'essence à la journée, mon gars. Ouais, c'est important, hein. Tu vois, mais nous, c'est important. Nous, on est salariés, tu vois. Ouais, mais oui. On n'est pas patron. Après, qu'est-ce que je peux dire encore sur le Renault qui est bien? L'ordinateur de bord est pas mal. C'est sympa. L'ordinateur de bord, il dit tout. Il dit les heures de conduite, quand c'est qu'il faut faire la pause, combien de kilomètres on a fait, combien de temps journalier, combien d'heures on a fait à la journée déjà, de temps de conduite, le nombre de kilomètres parcourus pendant la semaine, les heures aussi. En plus, c'est vrai, c'est... Les heures de la semaine. C'est quand même pas mal visible. Il dit tout, hein, il dit tout. Et ça, c'est important, je trouve, aussi, d'avoir un visu sur tout ce qui est heures de conduite, temps de volant, temps de repos. Ouais, c'est important, mais oui. Et puis, tu sais, les repos journaliers et tout ça. Ouais, c'est important. C'est important que le camion, il te le dise, parce que toi, sinon, il faut que tu fasses des calculs, tu vois. Il faut que tu fasses des calculs, et franchement, en tant que chauffeur, je te dis comme c'est, on n'a pas que ça à foutre, tu vois. Faire des calculs, écrire ça sur une feuille... C'est bon, quand tu rentres dans le camion, tu sais, t'as temps et temps, tu peux faire ça ou tu peux pas, tu vois. Mmh. Tu le sais tout de suite. Ouais, bon, après, c'est vrai que l'erreur est vite faite, quoi. Ouais, exactement. Donc avant, là-bas, j'ai pas vérifié, tu vois, là où on a déchargé, que la benne soit bien fermée derrière, tu vois. Donc là, vu que t'étais à vide, ça va, quoi. Voilà, ce que je vais faire, là, maintenant, en général, je le fais là-bas, mais là, je le fais en ce moment, je le fais ici, tu vois. Là, je vais dehors et je vais regarder que ce soit fermé. Donc là, je vais aller vérifier que ma porte derrière soit bien fermée, que les crochets ont bien pris la porte. Donc là, c'est bon, mes crochets, ils ont bien fermé la porte. Donc, parce qu'en général, là, entre la porte et la benne, il y a des cailloux ou du sable qui vient se mettre et parfois ça se ferme pas. Ben, comme tout à l'heure, avant midi, il y a un mec qui a mal fermé sa porte et ben il a tout baigné devant là-bas, devant la pèse. Donc je vais vous montrer où ça s'est passé. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais un peu plus loin là-bas. Donc faut bien faire attention à ça, quoi. Ok. C'est important. Ok, ça marche. Sinon la D2 ils vont avoir du boulot et puis à mon avis ils vont nous maudire. Voilà, donc là on est reparti. C'est vérifié. On peut faire un chargement en sécurité. C'est important, très très important. Et tu vérifies à chaque fois? À chaque voyage. Quand je le fais pas là-bas, je le fais ici. Ouais. Et quand je suis pas sûr, je vérifie encore ici, tu vois. Et parfois, je suis pas sûr, je suis sous la trémie, je suis encore pas sûr, je vérifie, je sors, je vérifie sous la trémie, tu vois. Ouais, mieux vaut ça que de perdre ton chargement. Ouais, mieux vaut. Puis tu perds du temps, putain, tu perds au moins 20 minutes, tu vois, à chaque fois. Il faut aller décharger parce que t'as pas le bon tonnage, faut recharger. Tout ça, ça prend un peu de temps, tu vois. Tiens, là, tu peux filmer, le mec, regarde, bah, tout le gravier que tu vois là, sur la droite, là. Eh ben, c'est tout ce qu'il a béné ce matin, tu vois. Et tout ça, c'était béné là au milieu, tu vois. Putain. Presque ça aussi, sur la pèse. Ouais. Ça, c'est le mec qui a mal fermé sa porte. Ah, c'est chaud, quoi. Mais parfois, les portes sont bien fermées et elles se rouvrent.
Ouais. Tu vois? Toute seule? Bah ouais, ça arrive, ça tu peut vois. Arriver. Les bennes sont. Certaines bennes sont vieilles, tu vois, donc forcément, voilà, tu vois. Et là tu fais pas de sélection? Là je badge pas. Là avant j'ai badgé pour te montrer, mais je badge pas parce que je reprends le même matériel. Donc je rebadge pas. Ok. Quand je prends. Elle a déjà enregistré par rapport à tout à l'heure. Voilà, après t'as juste à badger là-bas, moi, c'est ça? Moi je badge là-bas, je sélectionne, ouais. Paf, et je prends ce que j'ai à prendre. Ok. Alors, regarde là, il est en train de se faire charger lui. Attends, de toute façon on va aller derrière lui là, tu vas pas voir. Et bien sûr on respecte la limitation, tu vois, pour éviter qu'il y ait trop de poussière, pour éviter de faire de la tôle ondulée par terre, tu vois. Et là, c'est limité à combien là sur le, c'est 20, sur le site? C'est 20 km/h. Et ça évite de faire de la tôle ondulée par terre. Tu vois, la tôle ondulée, c'est l'espèce de. Ouais, les petites vagues là. Voilà, les vagues. Et ça, c'est quand tu roules avec tes bennes vides ou pleines. Ouais. Les essieux, ils sautent, ça fait des petits trous, et après, c'est impraticable, tu vois. Bon, là, il n'y en a pas parce que faut dire ce qui est, le mec du chargeur, il fait du bon job. Quand tu viens, parfois, c'est foutu, tu vois. Alors lui, il passe quelques coups de lame un peu partout. Et alors, c'est lisse comme un truc de bowling. Ouais. Lui, il a bien fait de charger. Ouais, ouais. Ouais, mais après, c'est un Allemand, tu vois, et ils ont pas l'habitude de venir ici, donc ils galèrent un peu. Voilà, il a fini. Tu vois pourquoi? Je dis qu'il galère, regarde. Il sait pas quand c'est fini, il sait pas quand ça commence. Il galère un peu. Voilà, moi je badge, je reprends du 0,4. Ah ben là je reprends rien du tout, tu vois. C'est ce que je te disais avant. C'est béton fer qui prend du matériel, alors il faut qu'on attende, tu vois. Voilà. Ah, béton fer prend du matériel. Donc moi je peux rien sélectionner. Et là la lumière rouge là en haut, elle est allumée. Et quand la lumière rouge elle est allumée, eh ben on peut rien faire, il faut qu'on attende. Et là, la béton fer, c'est ici, c'est le tapis là, c'est ça? Le béton fer, ouais, ça c'est le tapis qui emmène tout chez béton fer. Ouais. Ouais. Donc ça vient de là-haut. Ça vient de là-haut, ça descend par là. Attends, je vais juste passer un coup de fil à mon. Au gars de la centrale à Guenot. Ok, moi je vous reprends tout de suite, les gars. Ça, je suis sûr. Et là, tu remplis un CMR. Pour tous les tours. Une lettre de voiture et une feuille de route. Toi. Et ça, c'est une feuille de route pour chaque chargement? Rapport journalier, non? Où tu mets tout ce que tu as fait dessus. Okay. Et ça, là, c'est la lettre de voiture. Normalement, tu dois en faire une pour chaque transport, ouais. Tu vois. Mais non. Parce que sinon, tu pètes un truc comme ça par jour. Manger, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Peut-être pas par jour, mais en deux jours tu l'as pété, tu vois. Avec ce que je fais, moi, donc en deux jours, t'en fais un global pour toute la journée. T'en fais un global pour toute la journée. Ouais, c'est cool. Merci. À toutes. Prendre 280. 280. Et là, t'as le poids. Le poids, il est affiché. Ouais, le tonnage. Ouais. Donc 43 tonnes. 43 tonnes 160. C'est reparti. Là maintenant tu retournes livrer au même endroit, c'est ça? Maintenant je retourne au même endroit, je vais livrer, après je redescends, je charge pour un autre client. Et ben le client que je vais charger, il est vers chez moi. Donc du côté de Saverne. Donc je vais charger là-bas et après je vais décharger là-bas et je vais au dépôt. Je rentre au dépôt directement. Ok. Après tu vois bien l'environnement, il est pas mal aussi, tu vois. Ah bien oui. Je suis dans la nature, il y a de l'eau. Là on est bien, franchement, on est bien, c'est un bon environnement. C'est un bon environnement. Ouais, enfin moi j'aime bien en tout cas quoi. Ouais, c'est clair. Bon. J'aime bien. Bon, en tout cas les amis, je remercie Emeric là de m'avoir fait partager son quotidien, c'est cool. Ah, moi je te remercie toi déjà pour être venu et puis pour avoir. Voilà, il n'y a pas de quoi mon frérot. Il n'y a vraiment pas de quoi mon frérot. Ça fait plaisir. Vraiment ça m'a fait plaisir là de profiter un peu avec toi. On a kiffé. Pareil. C'est cool. Pareil. Et bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'un jour on se refasse ça, quand tu changes un petit peu de tournée, ouais. De client ou quoi, bah on pourra, ouais. On se refera ça. Pas de problème. Et si vous avez kiffé les gars, n'hésitez pas, pouce en l'air, tu cliques sur la cloche de notif aussi pour être notifié des prochaines vidéos.
Et surtout, abonne-toi. Et commentez pour les questions, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, on va répondre à tout. De toute façon, vous le savez, je réponds à tout. Moi, il n'y a pas de problème. Ben, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vais laisser le mot de la fin à Emeric. Vas-y, frérot. Bon courage et puis à une prochaine. Voilà, pour les prochains clients, pour les prochains voyages. Ouais, on se fera ça. Bah oui, y a pas de problème. Vas-y, mon frérot, merci. Bah, y a pas de soucis, frérot. Allez, ciao. À la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, ciao.